Delphine, Sylvie et Michael. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Les dents en famille en or, vous les connaissez, ils sont là. Et si je vous disais qu'avant l'émission, à travers leur loge, puisqu'ils sont chacun, vous avez vu, dans une petite alcôve, ils s'apostrophent les familles les unes les autres en disant... Par exemple, les dents, on disait à l'instant, les dents et pipi. Ouah ! Ouais, bah voyez, alors là, hey, vous manquez un peu de pêche, hein, s'il vous plaît. Michael, bonjour. Bonjour. Vous allez voir ce qu'ils font, la famille d'en face, vous allez voir. Sylvie est votre... Ma cousine. Delphine. Delphine, la cousine de Sylvie. Michael, cousin. Bonjour. Et Eric, le cousin de Michael. Voilà, c'est la famille d'Ahan, 17 565 francs. Et voici la famille Braca, qui elle, lorsqu'on dit les Braca... Bonjour. Bon, c'est pas mal non plus. Bonjour Sabine. Mon James, cousin. Votre cousin. Cécile. Ma sœur. Votre sœur, Audrey. Ma cousine. Bonjour. Et le fiancé de ma sœur. Le fiancé de Cécile, donc. Merci beaucoup d'être venu. Venez, Michael. Venez à vous, Sabine. Venez me retrouver. Alors oui, je disais que c'est vrai, avant l'émission, avant que nous prenions l'antenne, à travers leurs alcôves. Ouais. Dahan, oui, les braquages. Bon, c'est sympa, c'est une manière de faire connaissance. Hein. Maintenant, c'est autre chose, là, en tête à tête. Choisi par James, je tenais à le dire. Alors, voici donc, nous connaissons, Michael, nous ne connaissons pas Sabine. Sabine, quelle est votre activité? J'ai repris mes études. Regardez nos amis de en face, ils boivent votre mèche. S'en fiche de votre mèche, allez-y. J'ai repris mes études. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire, vous avez lâché? J'ai tout lâché et pour je reprends maintenant. Pour travailler. Ah bon, pour travailler. Et puis là, vous êtes dit que finalement, les études, c'est pas travailler. Donc, il vaut mieux faire ses études. J'étais jardinière d'enfants et je veux devenir institutrice, donc je reprends. C'est une belle démarche. Quant à Michael, lui, il les a pas lâchés, ses études. Non, toujours en licence de finance. On y va. On y va, Dauphine, la fac. Quelle peut être la réaction d'un homme, quand sa petite amie lui apprend qu'elle est enceinte? Michael. Il s'énerve. Pardon? Il devient furieux. Il devient furieux. Bon, attendez, Sabine. Il est heureux. Alors, il est heureux, c'est une autre réaction, complètement différente, mais le bonheur l'emporte sur le mécontentement. James, ah oui, il y a tout, hein, franchement. Quelle est peut-être la réaction d'un homme quand sa petite amie lui apprend qu'elle est enceinte? Il lui dit qu'il était peut-être pas encore prêt. Ah, je viens de prendre du recul. Il a besoin de prendre du recul. C'est un peu tard, Cécile. Il demande le sexe de l'enfant? Ah déjà, tout de suite. Boum. Alors, tu choisis. Un garçon, c'est pour moi. Une fille, c'est pas à moi. Audrey, il demande... quelle peut être la réaction d'un homme quand sa petite amie lui apprend qu'elle est enceinte? Il demande de combien de temps est-ce qu'elle est enceinte. Ah, il fait les calculs? Oui. Pour savoir à qui elle est. Bon. Ouh là 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 là, vous êtes compliqué. Hein, la famille Dahan, c'est à vous. Eric, quelle est peut-être la réaction d'un homme quand sa petite amie lui apprend qu'elle est enceinte? Il la demande en mariage. Michael. Il court lui acheter un gros bouquet de fleurs. Delphine. Il lui demande d'avorter. Sylvie. Il la quitte, c'est malheureux, mais ça peut exister. Bon, ah, bon, je crois qu'on a tout eu là, hein, Michael. Je crois qu'il ne manque rien. Allez-y. Il la demande en mariage. Alors, il la demande en mariage. Eh oui, il l'épouse. C'est une possibilité. Regardons les autres éventualités. Il la quitte. Il s'étonne. Et il panique, il angoisse. Bon, je crois que sur cette question-là, vous étiez bien armé. Hein, vous aviez vraiment fait le tour de la question. James, s'il vous plaît, venez avec Sylvie. Santé. James, disque jockey à 16h. Hein, oui. Je crois, le soir, le week-end. Le soir, le week-end, et la journée, électricien. Électricien. Pour mon père. Donc, double activité. Ouais. Je ne veux pas vous demander laquelle vous préférez. J'ai compris. Disjockey. Okay, désolé, papa, mais... Parce que c'est votre papa qui a une entreprise d'électricité. Il a une entreprise et... Il vous fait travailler. Les clients vont le taquiner, mais je prends le risque. Et alors, il vous fait travailler. Bah, il nous fait travailler. Il dit, fiston, c'est bien gentil d'aller le week-end, hein, mais il faut bosser en semaine. Sylvie fait des études. Voilà, toujours des études de psychologie. Ouais. Sylvie, vous ne m'avez pas raconté votre vie, c'est une vie secrète ou non? Non, tout se passe bien, je fais mes études, ouais. Je fais du sport avec une amie qui vient de temps en temps. Ouais. Elle se reconnaîtra. Et puis? Et puis, voilà, je cuisine, pas dans, je m'occupe comme je veux. Pas d'anguille sous roche, rien du tout? Non, tout va bien. Tout va bien. Bon. Tout va bien. On n'en saura pas plus. Qu'associe-t-on du verbe associer?
à la Joconde. Ah ouais. Alors ? Son regard. Son regard. Louche. Son regard. Oui, James. La femme. La femme. La femme. La femme. Bizarre. Alors, Delphine, qu'associez-vous à la Joconde ? Léonard de Vinci. Voilà. Ah oui, attendez. Cécile. Le Louvre. Le musée du Louvre. C'est bien, mais c'est Léonard de Vinci qui l'a peinte, qui prend la main, si je puis dire. Donc c'est Delphine qui prend la main. Qu'associez-vous à la Joconde, Michael ? La beauté. La beauté. C'est vrai ? Très... Une beauté très énigmatique. Ouais. Eric, qu'associez-vous à la Joconde ? Un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Il paraît que Léonard de Vinci a mis 10 000 heures pour la peindre. Qu'associez-vous à la Joconde, Michael ? Son sourire. Ah oui, son sourire. Son sourire. Sylvie, je reviens vers vous. Qu'associez-vous à la Joconde, Sylvie ? Je ne sais pas, je passe. Pas d'idée ? Aucune idée. Il reste une éventualité. Ah non, non, pardon, Delphine. Qu'associez-vous à la Joconde ? Vous semblez l'aimer, la Joconde. La peinture. La peinture, pourquoi pas ? Bah oui, bravo ! Bien vu ! Ah, vous aimez ce tableau, Delphine, j'ai l'impression. Hein, ouais. Venez me retrouver, venez me retrouver aussi, même. Cécile. Elle a été peinte vers 1499, autour des années 1500, la Joconde. C'était le moment où elle a été peinte. Vous semblez l'aimer, en tout cas, ce tableau. Vous avez eu des réactions hein, qui montraient déjà que vous vous intéressiez à ce tableau de Léonard de Vinci. Cécile, nous faisons connaissance avec vous. Alors, vous êtes la frangine de Sabine. Nous savons que le fiancé est là, c'est Dan. Oui. Et qu'allons-nous apprendre encore sur vous ? Je suis sans emploi et je cherche dans le milieu du babysitting. Ah, parce que c'est une profession, le babysitting ? Je crois non, que c'était un. C'était une passion, un mais ouais. Mais vous, vous en faites beaucoup, le babysitting, non ? Oui, j'adore ça. Et vous en faites, et voudriez en faire encore plus ? Oui. Ah, ben voilà, une bonne idée. Où habitez-vous ? Maison Alfort. Ben, Maison Alfort. Si vous habitez Maison Alfort, si vous avez besoin d'un babysitter, en voici une. C'est pas cher, en plus, je suis sûr. Non. Ben alors. Delphine est... Styliste modéliste. Styliste modéliste. En dehors des chanteurs. Non. Oh là 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 là. Je suis en train de regarder, je vois question double. Je me dis, ouh là, Cabrol, t'as dû pris de la... Oui. Voilà, là c'est une question simple. Après quoi un chien peut-il courir ? Cécile. Son os. Il peut courir après son os, si l'os roule bien, oui. Delphine. Un autre chien. Ouais. Allez, c'est l'os qui l'emporte sur l'autre chien. Après quoi un chien peut-il courir, Audrey ? Une balle. Après une balle. Bien vu, Dan ? Après un chat. Après un chat. Après un chat, bien sûr. Sabine, après quoi un chien peut-il courir, s'il vous plaît ? Après un enfant. Ben, oui. James. Ah là là. Après quoi un chien peut-il courir, Cécile ? Après son maître. Je cours après mon maître. Pan, la famille d'Aon. Après quoi un chien peut-il courir, Eric ? Après une chienne. On a dit un autre chien, mais une chienne, c'est... Qu'est-ce qu'il veut lui faire ? Michael. Ne regarde pas. Michael. Delphine. Un pigeon. Voilà. Sylvie, un pigeon. Michael. Chef de famille, à vous de décider. Après quoi un chien peut-il courir ? Vite. Après un pigeon. Après un pigeon. Non. 68 points pour les braquards. Regardons les réponses. Alors, il court après du gibier, une souris et un bâton. Un bâton. Il court après, oui, le bâton. Quand on lance un bâton, hop, il court, il ramène. Le gibier, vous n'avez pas pensé, parce que vous avez pensé au chien domestique, chien de garde, mais vous n'avez pas pensé au chien de chasse. Allez. C'est à Michael... Oui, Michael Devenir. Il y a tellement de Michael, je m'y perds. Et Audrey. Voici Audrey, de la famille Braquard. Audrey. Oui. Alors, Audrey a une particularité. Elle travaille dans un... Je sais pas sur les marchés. Hein. Vous êtes vendeuse, mais... En stand. Commerçante, mais sur un stand extérieur. Oui. Devant une grande surface. Exactement. Et que vendez-vous ? Maroquinerie. La maroquinerie. Ça veut dire que vous êtes tout le temps dehors, en fait. Oui. Été comme hiver, oui. Alors, l'été, bon, je comprends, mais l'hiver, comment faites-vous ? Vous mettez trois collants, oui, oui. C'est très bonnet. Dur, c'est horrible, oui. Ah oh, non, parce qu'il ne doit pas faire chaud, hein. Michael, vous en fichez, vous. Non, pas du tout, c'est trop intéressant.
T'as vu l'air intéressé de Michael, hein? Bon, on va poser des questions à Audrey. On va lui demander comment elle s'en occupe de sa petite... Parce que franchement, c'est pas simple d'avoir un stand comme ça en plein air. On va le faire. Mais le temps d'une petite parenthèse, puisque forcément, ça n'intéresse pas tout le monde. On se retrouve dans 3 minutes, car c'est vraiment la deuxième partie de cette émission. Les Dahan, 162 points. Les Bracas, 68 points. Restez avec nous, surtout, chers amis. À tout de suite. Merci. Mais c'est plus de ton âge de frotter comme ça. T'as raison, pour frotter, t'auras besoin de tout ça. Et n'oublie pas la Javel. Heureusement, il y a Monsieur Propre Spray avec Javel. Vaporisé, Monsieur Propre Spray désincruste tout seul. C'est propre et désinfecté. Oh, mais tout brille. Oh, tu devrais venir plus souvent. Monsieur Propre Spray avec Javel. Le coup de génie en plus. Qu'est-ce qui rend le chocolat Milka si bon? Disponible, souriante, efficace. Julie, quel est votre secret? Finesse, doigté et discrétion. Et si son vrai secret était de vivre pour les autres? Julie Lescaut, ce soir 20h45. Allez, nouvelle rencontre avec les Dahan, avec les Bracas. C'est la fin de votre jeu. Et nous allons maintenant voir ce qui va se passer dans cette deuxième partie d'émission. Vous l'avez vu, les Dahan, la famille en or mène. Ils mènent avec 162 points à 68 points. Mais bon, on va voir ce qui se passe maintenant. Les questions vont compter double. Je voudrais vous inviter à jouer à la famille en or par Minitel et par téléphone. C'est pour ça que vous avez un numéro de téléphone, 08 36 68 90 03, un numéro de Minitel, le 36 15 TF1. Et vous allez pouvoir vous partager la somme de 50 000 francs, car c'est la somme que nous mettons en jeu tous les mois. Et pour le meilleur d'entre vous, il y a 10 000 francs à gagner. Et il y a 4 vainqueurs à 10 000 francs. C'est dire, ça vaut vraiment le coup. Donc jouez. Jouez par Minitel et par téléphone. Et pour donner un petit coup de pouce à ceux qui nous font l'amitié de suivre cette émission de La Famille en Or sur TF1, je vous donne carrément une question que je pose aujourd'hui. Quelle peut être la réaction d'un homme quand sa petite amie lui apprend qu'elle est enceinte? Il y a eu beaucoup de réponses, elles ont été données tout à l'heure. Eh bien, si vous les restituez, vous prendrez une option sur la victoire en ayant par définition quelques points d'avance sur les autres. Michael et Audrey, nous parlions avec Audrey pendant la pause du dur labeur qui est le sien, de travailler comme ça pendant des heures dans le froid, à l'extérieur, c'est pas simple. Hein. En dehors des chanteurs, là voilà la question double, en dehors des chanteurs, quel type d'invité voit-on souvent dans les émissions de télévision? Audrey. Des acteurs. Des acteurs. Prenez la main. Bravo. Bien vu, Audrey. Dan, en dehors des chanteurs, quel type d'invité voit-on souvent dans les émissions de télé? Des comédiens. Comédiens, acteurs, comédiens, c'est de la même chose, à mon sens. Sabine. Des hommes politiques. Des hommes politiques. Bah oui. Quand on les invite pas, ils s'invitent. James. Mannequin. En dehors des chanteurs, quel type d'invité voit-on souvent dans les émissions de télé? Mannequin, homme ou femme. Eh non, Cécile, plus droit à l'erreur, attention. Comique. Les comiques. Bien. Audrey, en dehors des chanteurs, quel type d'invité voit-on souvent dans les émissions de télé? Des autres présentateurs. Des autres présentateurs. Non, 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 non. La famille Dahan, Eric. Je répète une dernière fois. Oui. En dehors des chanteurs, quel type d'invité voit-on souvent dans les émissions de télé? Des sportifs. Oui, des sportifs. Michael. Des sportifs, oui. Sylvie. La même chose. Bon. Des sportifs. Bon, vous ne pouvez pas y déroger, là, vous êtes coincés. Hein. Les sportifs. Oui, bravo. Bien. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Et oui, la surprise est générale. Ils ont gagné. On n'avait pas fait les comptes. Eh bien, voilà, ils ont gagné d'emblée. Regardez ce qu'il y avait aussi. Les journalistes, des journalistes. On l'a, déception chez les Bracas. Hein. Déception chez les Bracas. Au revoir Sabine, au revoir James, Cécile, Valor, Audrey, Dan. On l'a pas vu, Dan. Alors on va faire un gros plan sur Dan. On va faire un gros plan sur Dan, voilà. Dan et Cécile, vous l'avez compris, vous êtes fiancés, je crois. Hein. Oui. Dan, que faites-vous de votre existence? Animateur, organisateur de soirées. Ah oui, vous aussi, vous êtes disque jockey. Oui. Mais vous avez une société, vous, hein? Oui. Il est un peu en freelance, James, il travaille tout seul. J'en profite pour le faire travailler, de temps en temps. Ah, c'est sympa, ça, très bien. Donc, Dan, vous organisez les soirées, les mariages, etc. Voilà. Vous arrivez avec la sono les sur le... d'entreprise, les... Ah oui. Et je place toutes sortes d'artistes. Bien, très bien, Dan. Eh bien, on a fait connaissance avec vous, à défaut de jouer. La famille Dahan, décidément... Vous êtes drôlement fort. Bon, drôlement prêt, fort. Qui vient pour la finale? Moi. Eric et... Qui commence? Moi. Venez, Michael. Eric, s'il vous plaît, derrière moi. Et vous allez sous le casque, là. Sous le casque musical. C'est pour pas qu'il entende. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Il est sous le casque musical. On lui
fait écouter de la musique. Par définition. Et donc, il n'entend pas du tout ce qui se passe maintenant. Il n'entendra pas ce qui va suivre. Par exemple, les quelques mots de Jean-Pierre, qui sont très importants. Comment participer à cette émission avec une adresse à ne pas rater, Jean-Pierre Descombes, n'est-ce pas, isn't it? En effet, Laurent, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320 Paris Concours. Bon, Michael, très encouragé hein, par sa famille, on va dire maintenant... Il faut y aller, hein. Il faut y aller. Michael, bon, vous connaissez le principe, vous avez bien joué, hein, vous avez bien joué les darons, car vous avez une victoire éclair, ça nous a vraiment surpris. Vous avez marqué 300 points bien avant que l'on ait recours au dernier candidat, au cinquième candidat. Alors voici maintenant les 15 secondes fatidiques. Vous courez après cette somme de 30 000 francs. Ça fait 4 matchs, c'est le quatrième que vous effectuez. En 3 matchs, vous n'avez pas réussi à gagner 30 000 francs. J'espère qu'enfin... ce sera le cas aujourd'hui. Franchement, vous les méritez parce que vous êtes passé souvent très près. Donc, 30 000 francs, à condition de marquer 200 points. Bien sûr, pas tout seul, avec Eric. Une question ne vous convient pas, vous dites. Je passe. Eh ben, dites-moi. Donc, le joker, une question ne vous satisfait pas, vous dites. Je passe. C'est beaucoup mieux. Et puis, j'y reviens à l'issue du questionnaire. Vous avez 15 secondes pour répondre à ces 5 questions. Quand vous le souhaitez. Michael, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. On y va. Merci. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour fabriquer une robe haute couture? 10 heures. Avec qui une femme peut-elle flirter au cours d'une journée? Avec un mannequin. Que peut-on mettre sur des toasts apéritifs? Du saumon. Dans une maison, que peut-on installer pour dissuader les cambrioleurs? Un verrou. Quelle est la plus jolie couleur pour une... Déjà? Déjà? Restez là, Michael. Oh là là! Une question. Ah bah dites-moi. J'en reviens pas, j'ai même pas pu au bout. Elles sont longues les questions. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour fabriquer une robe haute couture? 10 heures, m'avez-vous dit. Combien de points pour 10 heures? Aïe, aïe, aïe. Marquez, ça me paraît peu quand même. Avec qui une femme peut-elle flirter au cours d'une journée? Alors, un mannequin. Un mannequin homme, alors, peut-être. Ouais. Ah oui. Voyons. Que peut-on mettre sur des toasts apéritifs? J'ai entendu, c'est bien dans la salle. Le saumon, voyons le saumon. Dans une maison, que peut-on installer pour dissuader les cambrioleurs? Vous m'avez dit, Michael. Un verrou. Un verrou. Je sais pas, oui, voyons. Et puis la dernière, on n'a pas eu le temps d'y répondre, c'était quelle est la plus jolie couleur pour une casaque de jockey? Bon, allez, Michael, ça n'est pas grave. Retrouvez votre famille. Eric. Venez, mon cher Eric. Ah oui, de plus en plus fort, Eric. Il faut marquer maintenant 178 points. Ben oui, mais... alors, je vous préviens tout de suite, parce que je m'en étais pas rendu compte, mais les questions sont longues, donc il faut répondre très vite. Michael n'a pas répondu assez vite. Peut-être moi aussi ne suis-je pas allé assez vite dans le libellé des questions. J'aurais peut-être dû aller d'accélérer un peu plus. Mais j'étais tellement persuadé d'être dans les temps, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas senti le temps passer. Donc, si jamais une réponse a été donnée, et si vous donnez cette même réponse, des réponses ont été données, si vous donnez la même réponse, vous serez alerté par le... Et là, il faut changer, bien sûr, de réponse, car on ne peut pas accepter deux fois les mêmes réponses. Et puis, vous avez ce joker que le monde entier nous envie. Les Japonais ont voulu l'acheter il y a quelques temps, et puis on a refusé parce que c'était trop cher. Alors, ils ne payaient pas assez. Le joker, c'est... Bon, je crois que tout est dit. Maintenant, je suis très impatient de savoir si vous allez marquer les 178 points. Oui. On fait un petit cadre autour de vous et on y va. Bonne chance, Eric. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour fabriquer une robe haute couture? 30 heures. Avec qui une femme peut-elle flirter au cours d'une journée? Avec quelqu'un qui l'a séduite en boîte de nuit. Que peut-on mettre sur des toasts apéritifs? Du beurre. Dans une maison, que peut-on installer pour dissuader les cambrioleurs? Une porte blindée. Quelle est la plus jolie couleur pour une casaque de jockey? Violet. Bon, combien d'heures de travail sont nécessaires pour fabriquer une robe haute couture? Je vais vous dire tout de suite, nous nous sommes renseignés auprès des maisons de haute couture. Il faut entre 35 et 80 heures de travail. Ah oui, pour une robe. Et c'est énorme. Vous avez dit 30 heures, je crois.
Donc vous êtes près de la réalité. La réalité, c'est 35 heures minimum pour une robe haute couture. Voyons. Et la réponse la plus fréquemment donnée, c'était 100 heures. Donc c'était bien au-delà. Hein. 100 heures. Oui, c'est la réponse qui était fréquemment donnée. En réalité, je vous l'ai dit, entre 35 et 80. Avec qui une femme peut-elle flirter au cours d'une journée? Là, j'avoue que c'est pas simple. Hein, parce que alors là, ça peut être tout et rien. Une femme flirter au cours d'une journée... C'est un peu vague, ouais. Ouais. Alors vous avez dit quelqu'un qui est en boîte de nuit. Hein. Qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Ils sont sortis ensemble et dans la journée, elle flirte avec lui. Classique, quoi. Classique. Alors, il y a plus classique encore, mais encore fallait-il y penser, avec un collègue de travail. Je sais pas si vous l'avez trouvé à la maison, mais c'est vrai que ça vient pas immédiatement à l'esprit. Que peut-on mettre sur des toasts apéritifs? Alors, le saumon, c'est bien, 17 points, mais c'est pas la meilleure réponse. Vous pensez au beurre, parce qu'on met toujours une couche de beurre, mais on met autre chose dessus. Non, oui. Ah oui. Le beurre, c'est la sous-couche, si je puis dire. C'est caviar. Caviar. Dans une maison, que peut-on installer pour dissuader les cambrioleurs? Alors là, franchement, je trouve que vous n'avez pas bien joué sur ce coup-là. Le verrou pour dissuader les cambrioleurs, le verrou, c'est classique. Une porte blindée, c'est vrai. C'est vrai, ça, dissuade les cambrioleurs. Mais il fallait dire l'alarme. Il fallait dire l'alarme. Bien sûr, pour dissuader les cambrioleurs. La porte blindée, combien de points? Oh là, c'est dur, là. Enfin, quelle est la plus jolie couleur pour une casaque de jockey? Là, franchement, c'est la chance. Vous avez dit violet, pour voir le violet. Il fallait dire le jaune, couleur jaune. Bon. Ouh là là. Pas facile, hein? En ce moment, nous traversons une période délicate. Les Dahan auraient disputé 4 matchs devant vous et n'ont pas encore gagné la finale. Et ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Comment vont-ils repartir, les braquards? Eh bien, ils vont repartir avec des cadeaux. Des cadeaux pour chacun d'entre eux. Le voici, c'est une montre qui part. En effet, vous emportez cette montre parlante offerte par TF1, que vous pouvez également gagner sur Minitel, 3615 TF1, ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Voilà, on essaie de mettre un petit peu d'ordre parce que les amis viennent rejoindre tout le monde. Alors, l'instant de nous saluer, nous dire au revoir. Les braquins nous quittent, vous l'avez vu, avec un cadeau pour chacun d'entre eux. Merci les braquins d'être venus. On vous fait tous les applaudissements et toutes les félicitations. Ça a été un peu difficile pour vous, mais les Dahan ont fort bien joué. Les Dahan, bien sûr, jouent bien dans la première partie de l'émission, mais quand il s'agit de la finale, il n'y a plus personne. 19 905 francs, c'est déjà bien, hein, comme argent. Merci de nous avoir suivis, chers amis. Nous retrouvons les Dahan lors de notre prochaine émission. Les Dahan, 19 905 francs, vont-ils gagner enfin la finale? Vous le saurez en regardant notre prochain rendez-vous. Merci à vous tous, au revoir. Ah oui?